Mais maman, enfin, bordel, j'ai une vie aussi, je suis pas obligé de tout te raconter. Hein. Tu vas pas commencer comme Daniel à vouloir absolument tout savoir de ce que je fais, hein? Non, y a pas à temps, ma chérie, 2 minutes, tu vas suivre autre part, s'il te plaît. Mais ça va là, c'est bon, hein? Ok, merci. Écoute, je suis pas bien pour l'instant, j'ai plus envie de me disputer avec toi, hein? Mais à cause de quoi t'es pas bien, ma puce? On est un couple, il faut s'entraider. Il a pas voulu quitter Brenda, alors j'ai voulu en finir et je l'ai tué. Je te rappelle qu'il a quand même tué mon beau-frère. Ça avance, monsieur Gothic, à tout avouer. Cherchez sur maître Caliente. L'histoire est terminée, Vladimir Gothic est condamné pour 20 ans de prison. J'aimerais bien que vous fassiez un article sur lui, comme quoi il dit qu'il est réellement coupable. Attendez, je peux pas faire ça, c'est mon père, si je fais ça, je perds ma relation avec lui à vie. Mais par contre, si vous le faites, vous êtes récompensé de 200 000 euros, hein. Alors ma puce, qu'est-ce qui t'amène? C'est pour la journaliste là que je t'expliquais. Elle veut que je fasse un article sur toi. Mais si je le fais, je perds ma relation avec toi. Mais en même temps, je gagne 200 000 euros. Ma puce, fais comme tu le sens. Quelle que soit ta décision, je t'en voudrais pas. Mais tu restes quand même mon père. Quelle que soit ta décision, je t'en voudrais pas, je te dis. 200 000 euros à ton âge, tu peux le prendre, ma chérie. Je suis prêt à avoir un article sur mon dos pour que tu sois heureuse. Papa, mais ce que tu fais, c'est une grande preuve d'amour. Ma chérie, tu peux vraiment accepter. Je t'en voudrais pas. Un petit café? Non, merci. Non, je vais partir au boulot. Très bien. Et ce soir, tu manges? J'y vais. Ciao. Oui, au revoir. Je sais pas ce que je peux faire, moi. Je crois que j'ai tout essayé. J'ai l'impression qu'elle ne veut plus de moi. Je pense que je bientôt pourrai dormir à l'hôtel, moi. Quelle galère tout ce qui se passe en ce moment, c'est si compliqué. Qu'est-ce que vous faites chez moi, monsieur l'agent? Écoutez, monsieur l'Ontario, on a reçu des plaintes venant de chez vous pour la musique qui allait beaucoup trop fort. Excusez-moi, mais je suis seul pour mon anniversaire et je le fête. Très bien, mais vous allez le fêter avec moi au poste. Ah non, monsieur l'agent, aujourd'hui c'est ma journée, c'est vous qui allez fêter mon anniversaire avec moi. Ah non, 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 désolé, ça je ne fais pas, monsieur l'Ontario. Je ne fête pas les anniversaires de mes suspects. Suspect directement les grands mots. Allez, faites ça avec moi, on boit un petit verre, seulement un. Comment tu te portes aujourd'hui? Bah ça va. Oui. Ok alors. Et tu vas faire quoi pour le bar? Je vais arrêter, je ne vais plus travailler là-dedans, je vais prendre ma démission. Je ne veux pas travailler chez le tueur de mon beau-frère. Petite sœur, tu as un raisonnement qui me touche énormément. Je pensais vraiment que tu allais continuer à travailler là. J'ai eu tellement peur. Je sais respecter les gens. C'est déjà une première chose. Je ne suis peut-être pas parfaite, mais j'ai une éducation de base. Je sais, petite sœur, que tu sais respecter les gens. Cela est une des grandes qualités chez toi. C'est vrai que j'en ai pas beaucoup, mais celle-là, j'avoue que. C'est une bonne qualité que j'ai. Allez, arrête de travailler chez Vladimir et on oublie tout ça, on repart à zéro de notre vie, petite sœur. Je peux te parler? Bien sûr. Comment ça se passe avec maman? Pas terrible, toujours aussi froide, distante. Elle serait pas enceinte par hasard. Tu parles sérieux là? Maman enceinte encore une fois? Non, non, c'est impossible. Et pourquoi?
Parce que c'est pas possible, ta maman prend la pilule maintenant. Je suis sûr qu'elle est enceinte, je suis prêt à parier. Attends, tu es sérieuse? Tu es prête à parier qu'elle est enceinte? Bien sûr, je suis prête à parier. On lance les paris? Hein? Ah là 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 là. Eh oui, petite sœur, c'est une page qui se tourne. Bah, ça va être dur, hein. Bon, on va s'y faire, hein. Maintenant, tout est réglé, hein. Gothique en prison. Brenda souffre comme moi j'ai souffert. C'est ce que je voulais. Je suis pas méchante, hein, Nina. Mais j'aime bien que la justice soit réelle. Et que les vrais coupables soient en prison, pas les innocents. C'est vrai que dans ton métier, tu dois en voir des innocents partir en prison. J'en ai déjà vu beaucoup. Ça arrive très souvent, les innocents qui partent en prison. Plein de gens disent que Gothic est innocent. Oui. Mais il est coupable. La justice a eu ses preuves. Et c'est quoi les preuves qui sont contre lui? Pour l'instant, on ne veut pas les dévoiler. Ça reste un peu suspect. Je vois. Viens du Celsius, du funk et du vice. Représente le Havre avec mon complice. Je suis frais comme les fruits de mer. Tu sais c'est qui James Brown? Mon père. Avec ma cuisine au beurre, Black Bomber, mon style fait peur. Comme ta sœur. Les filles en sont folles, les DJ en raffolent. Tous attendent l'album d'Alphonse Brown. J'ai la soul pour les sisters, le freeze pour les misters. Et quand je débarque en Normandie, c'est le twister. Alphonse et moi, mono c'est Brown. Hardcore comme le nord underground. Et cousine, je suis une sex machine. Ramène tes copines, je leur casse le jean. Alphonse Brown, la puissance du port du Havre. Son nom c'est Alphonse Brown. La culture de la betterave. Deux guignols que vous êtes. Deux guignols. Lui, c'est pas mieux, hein? Le brigadier ici. Vous n'êtes vraiment pas mieux que Monsieur Lothario, croyez-moi bien. Oh, ça va, c'est bon. On a seulement fêté un petit peu l'anniversaire de Don, quoi. Ne vous allez pas vous fâcher, hein? Vous êtes complètement ivre. Je vais vous recoller en cellule tous les deux. Oh, mais non, vous n'allez pas faire ça, donnez à moi quand même. On est tous les deux des copains maintenant. Et en plus de ça, il devient idiot. Allez, je vais vous emmener dans quelques instants. Putain, quelle vache quand même. Ouais, mais attends, elle est bonne. Moi, je la reprends là sur le bureau. Oh, monsieur Lothario, vous êtes écœurant. Et vous avec votre slip là, on dirait un papy. Je vous écoute. Alors voilà, madame Gothique, acceptez-vous ma proposition? Écoutez, un père, on n'en a qu'un. Il faut le respecter à fond, dans n'importe quel moment. Alors vous savez quoi? Non, je refuse votre proposition. Au revoir. Attendez, madame Gothique, vous pouvez pas refuser une telle proposition. Si l'amour d'une fille pour son père est plus fort que tout votre argent, au revoir. Oh, c'est pas possible, c'est pas possible. Moi, je sais ce que c'est l'amour pour un père, pas comme vous, hein. Connasse. Connasse que vous êtes. Alors maintenant, je vais être plus clair. Si vous vous taisez pas, je vous colle un rapport et plus jamais vous allez retrouver de boulot, vous allez être à la rue, mademoiselle.